بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. Mes frères, aujourd'hui, comme nous le savons tous, c'est le dernier Jumu'ah, le dernier vendredi du mois de Rabi'ul Awwal, le mois de Rabi'ul Awwal qui est marqué par deux dates importantes, celle de la naissance, mais également le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que le mois de Rabi'ul Awwal se termine, mais notre attachement et notre amour à l'égard de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça continue. L'occasion pour nous de rappeler quelques grandes qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir s'en imprégner, inshallah. Parce que l'attachement du croyant à son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, ne se limite pas dans le temps. C'est un attachement et un lien perpétuel grâce auquel le croyant trouvera son épanouissement sur cette terre et il trouvera également le succès dans l'au-delà, inshallah. Et c'est ce qu'ont démontré les sahaba radiallahu anhum, les tabi'in, tabi tabi'in, rahimahumullahu ta'ala, dont nous allons rappeler, inshallah, dans un instant, un exemple concret. Dans la description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il était rapporté, Kana aliyanan nas. Il était celui d'une grande douceur, au point que même ceux qui ne croyaient pas en lui et devaient le côtoyer, venez à témoigner de sa grande douceur et de sa grande bonté. On se souvient de cet homme qui a voulu causer du tort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait pris le dessus sur lui, il l'a pardonné. Et cet homme qui revient parmi les siens et il leur dit « Jitukum min indi khayrin nas » « Je vous reviens du meilleur des hommes ». Hadrat Anas radiallahu anhu, lorsque des gens sont venus le voir, ils lui ont dit, « Oh Anas, parle-nous du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, toi qui étais à son service, Anas radiallahu anhu, qui était à son service pendant des années. » Alors Hadrat Anas radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit ?« Mada uhadithukum, que voulez-vous que je vous dise ?» C'est-à-dire, il y a tellement de choses à vous raconter. Et il dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette accessibilité qu'avait le meilleur des hommes. Tout un chacun pouvait venir et interpeller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il passait dans la rue, les enfants l'interpellaient. Il leur faisait salam. Et si un enfant le prenait par la main, il le suivait. Hazrat Anas radiallahu anhu dit, parfois, on parlait des choses du dunya avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parlait des choses du dunya avec nous. Et parfois, on parlait du akhira. Parfois, on parlait même de la nourriture. C'était un homme ordinaire, d'une grande douceur. Une fois, on a demandé à Hazrat Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu. C'était un éminent sahabi, qui était également expert dans les anciens livres tels que la Torah. Et il dit, Wallahi, innahu la mawsufun fit Torah,
ببعض صفاته في القرآن. Je jure par Allah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été mentionné dans la Torah par ses qualités qui lui sont attribuées dans le Coran. Et il cite, Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, ô nabi, ô prophète, certes nous t'avons envoyé en tant que shahidan, témoin, wa mubashiran, annonciateur de bonnes nouvelles, wa nadhiran, avertisseur. Et il continue, wa hirzan lil ummiyin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il était un refuge, une sauvegarde pour les illettrés. Wa anta abdi wa rasuli, tu es mon serviteur et tu es mon messager. Wa sammaytuka al mutawakkil, et je t'ai surnommé al mutawakkil, celui qui place sa confiance en Allah. Laysa bi fadhin wa la ghalidhin, n'était pas rude ni au cœur dur. Wa la sakhabun fil aswaq, ne vocifère pas dans les marchés. Wa la yadfa'u sayyi'ata bi sayyi'ah, il ne rend pas le mal pour le mal. Walakin ya'fu wa yasfah, mais il pardonne et excuse. Walakin ya'fu wa yasfah, il pardonne et excuse. Dans l'explication de cette narration, Hazrat Mufti Taqi Uthmani damat barakatuhum, un éminent savant, il dit que tout ceci fait aussi partie de la sunna. Le musulman, il ne doit pas limiter la sunna à quelques actions seulement, comme manger avec la main droite ou bien faire le miswak, etc. Oui, certainement ce sont des actes sunna, des actes très méritoires. Mais il ne faut pas oublier que sunna, c'est aussi l'attitude adoptée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les mu'amalat, dans les mu'asharat, dans les transactions et dans la vie en société. Et les sahaba radiyallahu anhum, eh bien, se sont imprégnés de ces nobles qualités. Et on voit cela à travers différents récits. Il est rapporté qu'à l'époque de Hazrat Muawiyah radiyallahu anhu, il y avait deux personnes qui se sont disputées. Et l'une d'entre elles avait perdu une dent. La dent s'est cassée. Alors la victime s'est plainte auprès de Hazrat Muawiyah radiyallahu anhu et a réclamé ce qu'on appelle le qisas, c'est-à-dire la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Hazrat Muawiyah radiyallahu anhu lui dit, d'accord, c'est ton droit. Mais en cassant la dent, qu'est-ce que tu auras comme, quel avantage tu auras? Il vaut mieux faire la paix en prenant ce qu'on appelle le dia. Dia, c'est le prix du sang versé. C'est un genre de compensation, si vous voulez. Et donc la personne a dit non. Il a cassé ma dent. Eh bien, je veux aussi que sa dent soit cassée. Hazrat Muawiyah radiallahu anhu essaye encore de le raisonner une seconde fois. Mais la personne reste sur sa position. Alors Hazrat Muawiyah radiallahu anhu lui dit, mais si c'est comme ça, eh bien allons, on va exécuter ton droit. C'est ton droit, c'est ton choix, ton droit. En chemin, ils ont rencontré Hazrat Abu Darda radiallahu anhu, un autre éminent sahabi. Hazrat Abu Darda radiallahu anhu était mis au courant de la situation. Alors Hazrat Abu Darda radiallahu anhu rappelle à cet homme, il dit, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui a subi un tort et qui pardonne son adversaire, alors Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera le jour où il sera dans le plus grand besoin du pardon, c'est-à-dire dans le akhir, dans l'au-delà. Celui qui pardonne à son adversaire, alors Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera le jour où il sera dans le plus grand besoin. Tout le monde connaît, c'est quoi ce besoin-là? Dans le akhira, on aura besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, cette personne va bénéficier de ce pardon. Alors la personne, en entendant ce hadith, interpelle Hazrat Abu Darda radiallahu anhu. Il dit, « A'anta sami'atahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ?» Est-ce bien toi qui as entendu ces paroles de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Hazrat Abu Darda radiallahu anhu répond, oui, je les ai entendues de mes propres oreilles. La personne dit alors, je pardonne celui qui m'a causé du tort sans compensation. L'a pardonné
sans compensation, sans avoir eu besoin de diya, sans avoir qisas, rien. Voilà mes frères, une belle sunna. C'est une sunna qui ne peut apporter que du bien dans la société. C'est le genre de caractère qui va faire bénéficier la personne ici-bas même, ainsi que dans l'au-delà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Man kana sahalan hayyinan layyinan haramahu allahu ala an-nar » Celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah l'interdit à l'enfer. Mes frères, il est bien de rappeler que c'est ce bon comportement qui pèsera le plus lourd dans la balance des bonnes actions. Nous savons tous qu'il y aura une pesée des actions le jour du jugement dernier. Et les savants nous disent, à partir des hadiths, que l'action qui va peser plus lourd dans la balance, eh bien c'est ce bon comportement. Dans un hadith, Hazrat Usama ibn Shariq radiallahu anhu, il raconte, il dit, nous étions une fois assis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ka'annama ala ru'usina at-tayr, comme s'il y avait un oiseau au-dessus de nos têtes. Personne parmi nous ne parlait. Ils étaient tous attentifs. Alors sont venus des gens qui ont demandé, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, fama khayrun ma u'tiya al-insan. Fama khayrun ma u'tiya al-insan. Ô messager d'Allah, quelle est la meilleure chose qui est donnée à une personne? Quelle est la meilleure chose qui est donnée à une personne? Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, khuluqun hasanun. Un bon comportement. Khuluqun hasanun. Un bon comportement. Donc ça, mes frères, c'est une belle sunnah parmi tant d'autres que chaque croyant et chaque croyante doit s'en imprégner, inshallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit, innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Et ça, c'est l'image authentique de l'islam que chaque musulman doit faire apparaître à travers ses paroles et ses actes. En 1982, lorsque Hazrat Maulana Abul Hassan Ali Nadir rahimahullah ta'ala, nous savons tous, il y a un éminent savant qui était reconnu dans le monde asiatique, dans le monde arabe. Alors il était passé en Angleterre et dans un de ses discours, il avait dit, comme vous le savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un désir ardent d'inviter l'humanité à l'islam. Malgré 13 années d'efforts à Mecca et 7 à Madina, 13 années d'efforts à Mecca et 7 années d'efforts à Madina Munawwara, il n'y avait toujours pas l'arrivée en masse de non-musulmans dans l'islam. Mais en l'espace de 3 ans, en l'espace de 3 ans, entre la 7e année de l'Hégire et la 10e année de l'Hégire, c'est-à-dire entre la prise de Mecca et le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y eut plus de personnes entrant dans l'islam que durant les 20 années précédentes. Alors les grands savants du hadith, ils expliquent que cela est dû au fait que pendant ces 3 années-là, pour la première fois, les non-musulmans, ils vont avoir l'opportunité de se mélanger avec les musulmans, de se mêler avec eux, de commercer avec eux. Et ainsi, ils vont pouvoir devenir les témoins oculaires de l'honnêteté des croyants, de leur justice, de leur compassion et de leur confiance en Allah. Et Moulana dit, cela est porteur de grandes leçons pour les musulmans vivant dans ce pays, il faisait référence à l'Angleterre, que leur conduite soit attrayante, captivante, invitante, que celui qui vous voit puisse voir l'islam et puisse y adhérer. Que celui qui s'assoit avec vous puisse pencher vers l'islam. Nul besoin de contraindre l'acceptation de la foi. Et Moulana continue en disant, ainsi, si vous aspirez à une vie paisible dans ce pays, vous n'avez d'autre choix que celui de présenter l'islam à l'ensemble des personnes. Vous devrez travailler et manifester en permanence des qualités, pas seulement dans la mosquée, mais dans les rues, dans les marchés, dans vos activités journalières et à la maison. Ça, c'est
Hazrat Moulana Abul Hassan Ali Nabi rahimahullah ta'ala, qui a prodigué ces quelques conseils de par sa connaissance et de par son expérience. Voilà pourquoi on nous dit que ça relève de notre devoir. Ça relève de notre devoir, nous, les musulmans, de transmettre et de faire connaître le message authentique de l'islam à travers les actes, à travers les paroles aussi. Un des meilleurs moyens de da'wah, eh bien, c'est l'action. Il y a quelques années de cela, je me souviens encore, il y avait le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, au cabinet du Premier ministre, il était de passage ici à La Réunion, et il y avait un colloque avec les imams, et à ce moment-là, il avait cité, il a dit que les gens sont mal informés, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'informations de la part des médias, à travers le net, etc., sur l'islam, et ce sont des fausses informations, de mauvaises informations. Alors le rapporteur général de l'Observatoire de laïcité est en train de dire que les gens sont mal informés. C'est à vous les musulmans de leur porter le message du vrai visage de l'islam. Et ça c'est notre premier rôle en tant que croyants, en tant que ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On apprend c'est quoi la sunna. On apprend la façon de vivre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu tout à l'heure, hein, comment il vivait dans la société. Et inshallah, en essayant de s'imprégner de ses qualités, lorsque nous aussi, on va vivre selon le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle parfait, eh bien inshallah, sûr et certain, ça va apporter que du bien dans la société. Il n'y a pas de doute dedans. Ça ne va apporter que du bien dans la société et bien évidemment du bien pour nous-mêmes, pour notre entourage. Nous allons à travers ce mode de vie trouver le succès sur ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ces quelques paroles, bien évidemment de toujours propager inshallah. Et on rappelle également que à partir de demain Fajr sera la salat de Fajr sera à 5h inshallah. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.